Il avance, Venox, après avoir gagné contre Mata en finale du tournoi Xbox. Il avance contre Sanzu. Et ce sera d'ici 15 minutes, ladies and gentlemen. Est-ce que c'est la Xbox qui gagne cette console Est-ce que c'est la PlayStation Parce que derrière, il n'y a, euh, a pas que deux personnes. Il y a deux personnes qui représentent leur communauté, leur plateforme etc, etc, d'un côté la Xbox, de l'autre côté la PlayStation, et ça va être un chouette match, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va mettre le timer, et on se retrouvera dans un quart d'heure, le temps de laisser aussi à Venox euh, euh, quelques minutes, vous le comprenez bien, et euh, le temps qu'on set up un petit peu tout ça, on se retrouve tout à l'heure, mon cher Axdinx. Je vais mettre de la musique, je vais disparaître. Si tu veux balancer. J'ai un timer, j'ai la musique et je récupère la musique de ton timer. Incroyable. Et eh ben c'est parti. Quand tu veux. J'entends pas de musique. la musique là? Parfait. A tout. Dans 15 minutes, grande finale. Xbox versus PlayStation. Soyez là. Et bien évidemment, non, je ne relance pas. Et non, c'est pas en sub-only. C'est juste pour vous niquer. Lol. A tout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on se retrouve donc pour cette grande finale de cette console War, à savoir entre Sanzo sur PlayStation versus Venox sur Xbox, ça rime en plus, qui va gagner, les prédictions viennent d'être terminées, j'ai vu qu'elles étaient lancées depuis au moins 5 minutes, donc euh, désolé, le son de la musique avait l'air un peu fort là, mais j'étais parti, moi j'étais parti manger ma banane. Et ma poire. Voilà mon grand repas de la, de la soirée. Comment on fait pour s'inscrire pour le tournoi, le tournoi du 3v3 Bam, 10 minutes de ban, toi, tu nous fais chier. Qu'est-ce que c'est que ce 3v3 Il n'y a pas de 3v3. Qui est-ce qui parle du 3v3 là Sanzo a trop de mécaniques pour Venox. Venox va se demander comment il perd. Vous pensez Je ne sais pas. On aura la réponse d'ici quelques minutes. Néanmoins, je vais avoir besoin de vous, mesdames, mesdemoiselles. Z et messieurs, ok? Avant de pouvoir partir euh, sur cette finale, merci infiniment, époux euh, Flat Tête, pour les deux mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. T'es un monstre poulet. Euh, du coup, plusieurs choses à rappeler. D'une part, euh, vous pouvez toujours faire les dons qui partent pour la prod si la production vous, vous plaît. Hein, on rappelle que c'est de la production amateur. Et qu'elle est, euh, qu est, euh, est bénévole et qu'elle est payée par euh, ce qui est au-dessus de ma tête, tout simplement. Et euh, si vous souhaitez débloquer une prochaine console War, pourquoi pas Ça ne veut pas être pour autant dire qu'il y a une date, euh, peut-être avant la fin de l'année, ce n'est pas, pas impossible. et eh bien, vous savez comment le faire avec ce qui apparaît en, en bas euh, à savoir, il, il manque, on est à 2625 abonnés et euh, le sub goal est à 2007. Une fois de plus, et je le rappellerai tout à l'heure, merci à Oli pour l'exclamation H-O-L-Y. C'est eux qui vont donner, c'est grâce à eux qu'on peut donner du coup 1000 balles et sortir 1000 balles comme ça, cash pour le vainqueur, puisque oui, le vainqueur repartira avec <coughs> le Covid. <coughs> non, je déconne. Avec, euh, avec 1000 euros. Ok En attendant, ce qu'on va euh, faire right here. <coughs> oh, je ne vais pas pouvoir. En fait, pour une fois, je vais pouvoir fermer ma gueule. Ce serait pas plus mal. Euh, ce qu'on va faire right here, right now, ça va être ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va <coughs> tous mourir. Ah <coughs> oh, fuck On va choisir les maps. Hein? On va choisir les maps. Qu'en pensez-vous 64 est-ce que à ton avis. J'ai pas d'avis. Arrêtez de me demander mon avis. J'ai zéro avis sur rien du tout. Ok, vous me faites chier avec ton avis, etc. Ton avis sur les consoles, ton avis sur machin, ton avis sur la politique agricole du Venezuela au XVIe siècle. J'en ai rien à branler, j'ai pas d'avis en fait. Je m'en fous. Moi, moi je suis juste là pour faire kiffer les gens qui veulent kiffer. Euh, du coup, quelles euh, maps avec un S euh, seront du coup disponibles dans ce BO3 Parce que oui, euh, eh bien, les maps, euh, les maps, les maps, les maps sont soumises. Au vote du public. On va faire apparaître des maps. D'accord Néanmoins, attention. Attention. Pourquoi Parce que vous ne pouvez voter que pour une des maps qui vont apparaître à l'écran. Une seule des maps. Vous ne pouvez voter que pour une des maps qui apparaissent à l'écran. Premièrement. Et on va prendre du coup le top. Trois des maps pour lesquelles vous avez voté. Du coup, si vous comprenez bien, je me permets du coup de d'être un peu plus clair. Attention, attention parce que du coup, il y a peut-être des maps si elles partent qu'il qui a 50 votes pour Oregon, par exemple. Je dis n'importe quoi. Eh bien, <laughs> en l'occurrence, ça sert pas à grand chose de re-voter, euh, d'utiliser votre unique vote pour Oregon alors que derrière, eh bien, il n'y a que deux votes pour Plain et vous avez envie de voir Plain, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Non Ok. Allez, vous, faire, vous ne comprenez rien du tout. Du coup, je vais mettre les maps officielles moins les maps qui ont été jouées sur ces deux derniers jours. Bah ouais, forcément, il faut que ce soit un peu drôle. Ok Donc, du coup, on va avoir euh, sur les maps officielles, enfin, officielles et pas officielles, au final, on a, euh, on a plusieurs maps. Alors, malheureusement, on ne peut pas mettre les maps de TDM. Ça fait bien, bien chier. J'aurais bien aimé avoir les maps de TDM, mais on ne peut pas les mettre. Du coup. Ce qu'on va mettre, comme d'habitude, on va avoir Stadium Bravo. Ok. Euh, donc, ça, ça y est. Il va y avoir Plain. Quelles sont les autres maps que vous voulez voir Frontière pour Sanzo direct. Frontière, Yacht, House. On n'en parle pas. Elles ne seront pas là. Banque du 1v1. Thème Park. Rappelez-vous, c'est du 1v1. Littoral, ça me paraît pas mal. Ok. Bon, je vais mettre en anglais du coup. Coastline. Bartlett, elle n'est pas disponible. Oregon, c'est pas si mal pour du 1v1. C'est de la sécurisation de zone, bien sûr. Ça reste de la sécu de zone. Favela, ouais, c'est pas mal en sécu de zone. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Border, on vient de te dire frontière, ça y est pas. Chatou, tu me dis encore une connerie dans le chat, tu dégages toi. Clubhouse, en 1v1 Clubhouse Ok, ok, vous la voulez, il y a plein de gens qui l'ont écrit. Clubhouse, pourquoi pas. Quoi d'autre Plane, déjà mis. Frontière, nique ta mère. <laughs> Gratte-ciel. Skyscraper en 1v1, c'est non. Tower en 1v1. Pourquoi pas... <coughs> Désolé, je vais mourir. Bartlett, elle n'existe plus. Chalet. Avion, elle y est. Plane, ça veut... Dire avion, plane, plane, avion. C'est un peu les mêmes. Chalet. Putain, la vache, tout le monde veut Chalet, quoi. Ok, Chalet, pourquoi pas. Outback. Ouais, hey, Outback en 1v1, c'est pas mal, ouais. Outback. Airford. Oui, bah oui, bien sûr. Airford, oui. Oui, oui, bah oui, Airford. Les gars, Airford en 10 V10, elle est trop grande déjà. Labs, trop grande aussi. Chalet, déjà mis. Frontière. Toi, et eh, toi, tu. Avion. Fortress. Oh. Canal, ça peut être pas mal. Mais vous allez. Attendez, parce qu'il va y en avoir trop là. Canal, pourquoi pas. Pleine d'émeraudes, trop grand. Café. Café en AV1. C'est pas si grand, café au final. Stade Bravo, déjà mis. Villa. Non, elle pue la merde. Villa, personne ne l'aime. C'est un truc. C'est chez les Italiens en plus. Du coup, café café en v ça peut être pas mal. Bon, ça en fait déjà pas mal. Ça en fait 11 à choisir. Je le rappelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne soyez pas débiles. Ça va être dur pour certains d'entre vous. Merci Coru950, nouvel étudiant du campus. Toi, t'es pas débile. Ce qui va apparaître à l'écran. Ce qui va apparaître à l'écran. Il va y avoir 11 maps qui vont apparaître à l'écran. Vous ne pouvez voter que pour une map. Vous ne pouvez voter que pour une map. Et on en retient trois. Est-ce que c'est bon Vous ne pouvez voter que pour une map. Je fais apparaître, je sens qu'il va y avoir des gens un peu débilos. C'est parti. Il y a des gens qui sont un peu moins cons. Qui y vont pas direct, tu vois. Ils s'adaptent. Ils vont s'adapter. Leur vote unique. Où est banque banque, a pue la merde. Vous ne pouvez voter que pour une map. Quelle map euh, J'ai oublié un S, désolé. Vous devez taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. Vous ne pouvez voter que pour une seule et unique map. Pour le moment, Oregon, ça me semble pas mal. Il y a un mec qui vient de revoter pour Oregon. Lui, il est con comme une bite. Hein. Là, il y en a un autre qui vient de revoter pour Oregon. Il y, y en a quatre autres qui viennent de revoter pour Oregon. Vous, vous êtes vraiment débiles. Hein. Oregon, elle va passer, les mecs, c'est sûr, en fait. Donc, pourquoi vous revotez pour Oregon Ça sert à rien de revoter en revanche. Le bot ne, ne prendra qu'une seule fois votre vote, ça c'est sûr. Oregon, c'est quasiment fait là. Hein. 23%. Derrière, on a un coastline à 15%, on a un tower à 16%, on a un chalet à 17%, 18%. On a un plane qui pourrait revenir encore. Ah, y a, y a, c'est dans un mouchoir de poche. Coastline Oregon Tower Chalet. Tower, ouais, mais c'est de la sécurisation de zone. Donc, même si elle donne l'impression qu'elle est extrêmement grande, Tower, c'est une espèce de banque ronde. Très schématiquement. Elle est pas Voilà quoi. Les pièces sont grandes, il y a de grands trucs mais voilà quoi. Et ça c'est bien. Moi, j'aime bien parce que du coup, les personnes qui ont une capacité du coup à s'adapter très facilement. De toute façon, pour le moment Tower, elle est derrière, elle est Ah non, elle est juste devant coastline. En vrai, Tower c'est pas mal. Hein. En plus, on aurait la nouvelle tower. Et c'est du BO3. Après, bien évidemment, les joueurs choisissent entre ces maps. En sachant que du coup, il faut que ce soit Venox qui ait l'avantage dans le choix. Donc c'est à Sanzu de choisir en premier la map sur laquelle il a envie de jouer. Comment ça personne vote plain Ouais, c'est pour ça. On en était quasiment sûr en faisant que ça comme ça. <coughs> On aurait des surprises. <coughs> Pardon. Est-ce que c'est bon Est-ce qu'on a fait le tour Plane, un peu de changement. Plane, on l'a déjà vu hein, plein de fois hein, dans des solti duels et tout. Elle est pas non plus. Euh, voilà, quoi. Tower, on l'a jamais vu dans les solti duels. Chalet non plus. Oregon, etc. Donc euh, dans, dans tous les 1v1 qu'on a fait, euh, celle-là, euh, rarement, quoi. Canal ce serait stylé. Ah, mais Canal, il y a que 10 votes, les amis. Sachant que l'autre la, après, d'ailleurs. Il y a 59 votes pour Chalet et Oregon. Euh, donc du coup elle visiblement elle passe Et après ce serait Tower à 51 Coastline est à 48 Donc il faudrait 48 personnes Qui arrivent et qui votent là Si vous vouliez du, du canal en l'occurrence Merci Mirage pour les 200 bits Un monstre poulet Mesdames, mesdemoiselles et messieurs <coughs> Je peux pas en prendre trois d'un coup, mais on peut les voir directement quoi. Ça va m'en donner qu'une. <laughs> Ça va faire sortir le winner pour le coup. Ok. Si je clique, du coup, on va avoir juste le winner, en l'occurrence. Je te laisse euh, m'appeler la liste. Ouais, bien sûr. Allez, 5. Je, je note au foie mesure. 4, 3, 2, 1... Je stoppe. Ok, du coup, Chalet est absolument dedans puisque c'est celle qui a remporté. Donc, on a le Chalet en premier. Ok. Ensuite, on a Oregon avec 60 voix. Ok. Et ensuite, on a Tower avec 54. Chalet, Oregon et Tower. Et donc, du coup, étant donné que c'est le, 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 le pic de la map. C'est Venox qui choisit. Ok. S'il a envie de pique, ou s'il a, euh, a, bah a envie de laisser Senzo pique. Et derrière, s'il a envie de pique, c'est lui qui pique. Et s'il a envie de laisser Senzo pique, il, il s'adapte. C'est une technique. Merci euh, Adrox pour les 3 euros. Vous êtes des monstres. Merci Raiden pour les 1000 bits. Un monstre aussi, vraiment. Et merci Virage, Mirage pardon, pour les 200 bits. Des monstres. Ok, du coup, ce sera Chalet. C'est une grande première. Hein. Chalet, Tower et, et Oregon. Chalet, Tower, Oregon. Chalet, Oregon, Tower. C'est les maps qu'on va voir sur cette finale. En tout cas, bien évidemment, il y en aura une de ces trois maps. Euh, il y a une des trois maps qu'on qu qu risque de ne pas voir puisque ce sera la map Decider en fonction de ce que les joueurs choisissent. Et là, pour le moment, on est en train de les laisser choisir justement et de faire leur, euh, leur ban de leur côté. Sur ces trois maps qu'ils ne... Bah vous, vous avez compris qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et... Euh nous, non plus, on ne savait absolument pas que ce serait cette map C'est ma place, pardon. Désolé, il y avait un stick mou. Hein, voilà. Bon, alors, qui est-ce qui va gagner, les amis Xbox ou PS bah, bah, dire, Il va y avoir trop de gens qui vont me dire PS, c'est obligé. Il euh, y, y a deux fois plus de joueurs sur PS que sur Xbox en France. Donc, euh, donc voilà. On le sait. Tu es pour Sanzo. Non, franchement, je suis plus pour Venox. Voilà. Parce que Xbox est dans sa façon de jouer. Après, je suis pas contre Sanzo, hein. mais Mais voilà. 4 <coughs> il devient quoi, Mary Il est décédé. Il y a deux mois. D'un cancer du genou. Ou alors, il est en live et tu peux aller lui demander. Je suis PC mais pour Xbox, non, vu son skill et sa manière de jouer. Ouais, je suis d'accord. Il ah, y a quand même pas mal de gens qui sont sur Xbox, pour Xbox au final. Ok, et eh ben, ladies and gentlemen, voilà ce qui est en train d'être frais alors qu'il y a une magnifique pub du coup. Je peux pas l'enlever. Average retirement income. New short haircuts. C'est chaud, ça. OK. Bon, du coup, en attendant, vous le voyez, ça, c'est euh, les trucs qu'on envoie aux joueurs et ils vont pouvoir, eux, directement, eh bien, choisir euh, quelle est la map qu'ils veulent prendre. Et on va pouvoir voir euh, directement qui prend quoi. Qui est bleu, qui est orange, en l'occurrence, tu me diras Alors, bleu, du coup, c'est enfin. Directement pas Xbox La PlayStation quoi. Voilà. Ouais et... on va dire PlayStation. Et orange c'est Xbox. Ok. Ok bon, bon on attend les amis. On attend qu'il pique et après on partira sur les, euh, sur les maps en question. Ça reste du 1v1. Ça reste de la sécurisation de zone. Ça reste du 30 secondes de phase de prep. Euh, ça reste du 2 minutes 30 de phase d'action. De, 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 un petit peu de beurre salé dans les épines. Merci pour les... Waouh Merci pour les 30 euros, Poulet. Bon courage, Six. Ça fait toujours autant plaisir de se regarder des panneaux. Merci SoEasy pour les 30 euros. Vous êtes des bons, ses les amis. Et merci pour la prod, parce que c'est pour eux, du coup. Tous les dons sont euh, pour euh, la prod, l'event, euh, et le staff de la Salty Academy qui organise ça pour vous. Voilà, voilà. <coughs> All right. J'ai vu un truc bouger. Non, pas du tout. C'est juste le truc au-dessus. Bon, il, il se le cul ou pas Ah si, c'est bon il a cliqué. J'ai l'impression qu'on a Sanzo du coup qui va pique Chalet. Il la pique ou il la banne Non, je pense que c'est un pic. C'est un pic, euh, un ban, ça va mieux. Bah, mm. de toute façon, il peut pas ban là. Mm. Ça aurait été intéressant de mettre plus de maps pour... Je avoir suis des sûr qu'il va prendre Tower. Euh... Je sais pas pourquoi je sens qu'il va prendre Tower. Pour essayer de surprendre... Euh... Et pour mettre en avant sa capacité à s'adapter. Qu'est-ce que vous en pensez Sanzo est un monstre sur Chalet. Eh ben non, pas du tout. On reste dans du classique. On est sur euh, du méga classique pour le coup. À savoir Chalet euh, pris par Sanzo où il va commencer en défense. Et Oregon pris par Vexo. Et on va choisir directement le side. À mon avis, c'est ce qui reste encore à choisir. Il est en train de réfléchir. Après, bon, ça n'a pas une importance fondamentale dans le sens où, dans le sens, dans le sens, pardon, où ça switch tous les rounds. Ce n'est pas un truc 6-6, c'est tous les rounds que ça switch entre attaque et défense en 1v1. Et ben voilà, il vient de pique. Et pareil, lui commencera en défense sur Oregon. Bon, on a du classique de chez classique, honnêtement. Chalet, Oregon, Tower, en Decider. Et là, pour le coup, eh bien, si on allait jusqu'en Decider, ce serait euh, Sanzo qui euh, commencerait en défense et ce serait euh, en attaque. Du coup, notre cher et tendre euh, joueur Xbox. N'oublie pas de faire une petite impression écran là-dessus ou en tout cas de dire à celui qui fait... C'est qui est-ce qui s'en occupe C'est Tismac qui est, qui en est, euh, est là en... sur, la, sur la partie euh, prod, j'imagine enfin, Sur l'observation. C'est quoi la le oui. truc en haut de l'écran La pub, elle est... <laughs> Ok. Ouais, c'est, il y a que toi qui utilises ton PC. Oui. C'est que les pubs c'est Ciblé. Pas celle-là non. Bah pas bah celle-là alors. Merci Soisy encore pour les 30 euros. Envoyez plein de GG, plein de cœur, les monstres. Euh, du coup, on va set up tout ça. Tout est en train de tranquillement se préparer. On va inviter les joueurs. Alors ça demande un tout petit peu plus de temps que prévu parce que bah il y a le côté cross plateforme. Mais, mais j'y ai cru. <laughs> mais pas du tout. Mais, mais, euh... mais ça va bientôt commencer. <laughs> Hein un petit cadeau pour la Miss. C'est cas ce tu me feras toujours rire. Putain, c'est trop. Ok, mais prends un sub-Beon. Gars. <coughs> bon, j'espère que vous passez un bon moment sur cette console War. Je rappelle, sponsor by Oli pour H-O-L-Y. N'hésitez pas à commander Oli parce que c'est vraiment bon. En plus. Hein, voilà. Donc n'hésitez surtout pas, ok Merde, c'est à l'envers. Bah laissez tomber, vous avez compris quoi. Donc merci à eux et, euh, et voilà. Et le perdant de ce match aura un petit truc. Un petit truc sympa. Faut que tu prennes un sponsor avec Tena. Oli, Oli, Tena. Tena, Oli. J'ai pas, pas la blague. Merci SoEasy d'avoir offert la possibilité à B1, C'est droit de scolarité au sein du campus. T'as vu Tu referas ce type de tournoi console Oh, Regarde, il est pas assez gros le truc hein, je pense. J'arrive pas à l'agrandir mais je pense qu'il est pas assez grand. Hein Yo Kiki Merci Tibétain pour les 3 mois de frais de scolarité, vous êtes des monstres les amis. 2628 subs. On n'est plus qu'à 72 subs du coup de... Euh... 72 sub de la possibilité de bloquer une prochaine console War, wow. si ça vous intéresse. Tena, c'est un truc pour l'incontinence et les fuites urinaires. Mais Voraz, vous êtes des fils de pute, sérieusement. Euh, je suis en train de vous faire des trucs de ouf et tout, et vous me balancez ce genre de scot dans la gueule, quoi. Est-ce que tu pourras faire des multi Sims 4 Non Ils font quoi les deux joueurs Ils se touchent Ils arrivent, vous inquiétez pas. Ça arrive. D'ici quelques instants. Je commande le pack Oli, Oli. Oh la vache. Putain. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes horrible. Horrible. Mon dieu. Faut sponsor si il win, chef. Absolument pas. Non. <coughs> Faut vraiment que je remette de la musique sur ma... mon truc. Ça fait très bizarre. Mais bon, ça fait deux semaines que je le dis et je le fais pas. C'est vraiment une merde. 6-4, c'est quand la reprise des compètes MDR Jamais de la vie. Ok N'hésitez pas, hein, franchement. On se fait un FAQ là. Je vous réponds là. Ok Pendant que je suis en train de décéder. Je vais me holly le 6-4 pendant le live, vous êtes pas prêts What Ça veut rien dire, en plus. Putain, vous avez fait tous les jeux de mots pourris, quoi. Anyway. À et les gosses, vu ton âge On peut pas, ta mère à l'a mené aux pauses. Dans combien de temps ça lance Parce que j'en ai marre de lire le chat, ils sont cons. Dans très peu de temps. C'est-à-dire Merci Kiki pour euh, Zimatix de lui avoir offert ses droits T'es un monstre. À quand les holidays Oh la vache. Ah, OK. Nouveau timer et tout. C'est quand qu'on peut parier là C'était bien avant. Jordan MMA est sponsorisé par Oli également. <rire> 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 Il est sponsorisé par, par deux trucs. 9 secondes et Oli. <laughs> oh là là, j'en peux plus. Je suis vraiment en train de décéder, les amis. Ok. Sansu nous a fait un petit setup. Ouais, 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 c'est parti, allez, en avant. Il y a pas de son. S'il y a du son. Ok, les amis, c'est la grande finale. Ok, j'en peux plus, je suis au bout de ma life Grande finale, Merci mesdames, des mesdemoiselles des et des messieurs. Des Merci Raiden d'avoir offert 50 euros pour la production. Nous y sommes presque ici. Nous y sommes presque là-bas. N'hésitez pas à lâcher un euro, ça, ça part pour la prod. Ok. N'hésitez pas pensez à eux ils sont jeunes ils sont pauvres ils sont débiles pensez à eux ok c'est un peu du caritatif hein, que vous faites quand vous euh... on peut laisser sound pour la grande finale non pourquoi je vais laisser le sound mon gars vous étiez pas là hier ou quoi tu veux que je te le fasse en beatbox le sound c'est simple si on met le sound de Sanzu ça va donner un truc du genre Didier! 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 Didier, il gagne le petit ou pas? Et de l'autre côté on aura. Pourquoi y'a un contrôleur disconnected? La manette de Tisma est un peu fatiguée, ouais. J'ai vraiment les pires. Hein. Bah oui, mais on n'a pas assez d'argent pour euh, acheter un câble. Faites donc... Il est venu... Il est venu à la Louvre avec une Mercedes 4x4 AMG, là. Ok Donc, euh, il peut s'acheter un câble USB. Hein. C'est parti Oh la prod du Bled. Venox qui nous donne son meilleur profil. Hein. Il a tout donné. Hein. Streamer professionnel, le mec. Hein. Allez, en avant. Monty face à Warden. Pourquoi, merde. Pardon, excusez-moi. On le rappelle, c'est PlayStation face à Xbox. Oh, il l'avait pas entendu. Il l'a pas vu. Il va le corner. Oh là 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 là. Et c'est le premier round qui part pour la PlayStation. C'est Sanzo qui le met. Sanzo, il est ready hein, depuis hier. Hein. Il a mis la caméra. Il est hopé. Il, est ok, il, est, il, est il, a, il a une canette de je sais pas quoi. Red Bull. Red Bull à 22h. Vous vous, vous vous rendez compte les amis, si Venox perd la, la Xbox, vous allez devoir fermer votre gueule à tout jamais. Hein. En revanche, bah, pareil, hein, si, si, si Venox gagne, la PlayStation... Euh, pff, oh, ça va être dur pour vous. Hein. 10 secondes Merci Raiden, hey, vous avez envoyé plein de GG, plein de cœurs s'il vous plaît pour Raiden qui a offert 50 euros. Envoyez plein de GG, plein de coeurs s'il vous plaît pour Raiden dans le chat. Let's go les amis. Spammez ce chat, envoyez des loves, envoyez des coeurs. Il a balancé 50 euros quand même. Oh Oh Il y va au pistolet Il y va au pistolet, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ça Il va lui sauter dessus il, Il pousse sur le site. Il est au niveau du piano. Il s'en prend plein la gueule. Il en a plein les poumons. Il a un HP. Il arrive. Il le sait. qu'il arrive. Chez Copic! c'est bien. C'est bien joué de la part de vélo. Il est trop fort. Il est trop fort. La Xbox est bien meilleure que la PlayStation. Depuis tant d'années, j'avais envie de vous le dire. Je pas blairer la playstation vous êtes trop des fils de pute vous êtes la pire communauté votre, votre console est, elle est moche elle est fucking moche mon gars elle est moche c'est un peu tôt non c'est vrai qu'il y a que un c'était ce que je voulais dire à la fin j'ai complètement niqué mon, mon speech de fin un manette Xbox Forever Xbox les frères avec des vraies piles J'aime bien Sanzo et tout mais j'espère franchement J'espère qu'il se je fait niquer J'aime trop Venox là Son style de jeu Il réfléchit, il joue montagne, il joue avec son fucking cerveau. Ok, ça push. Derrière, vous avez vu un peu il, va, il a ouvert plus de murs renforcés que vous ne le faites dans vos 5v5. Il drone, il prend l'info. Un peu risqué. Ça aurait pu pousser de l'autre côté. Il l'a vu Il l'a vu Il arrive Coucou, c'est Wam. Il lui fait un petit fire. Il le, il le pousse. Bonjour, c'est moi le frigo. Bam Oh là là Hey les gars eh ouais allez Venox ah je suis avec lui j'en ai plus rien à foutre de de, de, de l'équité de de et tout ça c'est pour ouais. tous les les ouais. toutes les six ans à en avoir marre De votre commune merde. Sur Play. Avec vos frères, vos JPP, là. Vos TN, vos 667, 6 7 Vos équipes, équipes. Tout ce, tout ce rassemblement de consanguins dégénérés et débiles. Matrixés par Sony. Les BMW M3. Et le dernier Apple. Je veux que la Xbox gagne. <laughs> chez <coughs> Allez BAM il avait encore jamais utilisé Echo il va faire tous les opérateurs le mec tous les opérateurs alors que les autres derrière ils sont tous là il euh, y en a Buck un oh, bon poster de chez Echo Oh oui BAM il sort Bam sa porte, ses boules. Oui monsieur Oui monsieur Vous vous étiez moqué Merci Raiden d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur de scolarité pour Rikishi, Spion, Onilukis, Katsu et Excmi Les monstres 3 à 1 pour le joueur Xbox Le karma du proteste Quel proteste, il y a eu zéro proteste. Attention, qu'est-ce qui se passe là Il a pris Oryx. Oryx face à Montagne. Hey C'est la première fois en 6 ans qu'on voit en face de nous un joueur qui se dit action, réaction. Il a pris montagne Je vais prendre Rix. Il y a déjà 4 rounds de passé. C'est beau. On n'avait jamais vu ça sur PlayStation. Les 16 neurones se sont toutes connectées d'un coup. Oh Il va le défoncer. Non, Venox, c'est un piège. N'y va pas. Il le sait, il est intelligent. Oh, il le bait Gauche, droite Il le bouge Attention Ah, ah mon cœur Il n'a pas eu de chance. Merci euh, Raiden pour les 5 droits de scolarité et pour les 50 balles juste avant, poulet. Merci Driss Panda pour les 5 droits de scolarité. Vous êtes des monstres pour Cactus de. de what the fuck? Cactus de Sibérie. Ok, d'accord. Merci pour Zaok, pour Virtual Game, pour Psycho et pour OJ Wakikael. Ils sont tous payés leurs droits de scolarité grâce à Driss Panda, les amis. Le monstre. Allez! V Nox, V Nox et Nox. Allez, tout le monde dans le chat. Oh, il fait tout. Frost, première fois qu'il prend Frost. Agression vers l'extérieur. Il porte ses grosses balls. Il reste là, à 3 heures à la fenêtre. Ça va se jouer au mental. Ça tombe bien. Les joueurs PlayStation n'ont pas de mental. On prend l'info. On se regarde. Le drone regarde la cam. La cam le regarde le drone. On rotate du côté de Venox au niveau de l'escape bleu. Buck, il qui rentre. Bam bam bam. C'est Wam. J'arrive, je push. Je flash. Bam. Il a flashé trois livres. Et deux romans. Ça décale, voilà, 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 ça, ça m'énerve. <laughs> ne tombe pas dans son jeu, Vénox. Ne tombe pas dans son jeu. Ne le joue pas sur des grandes lignes, là. En aim, il est fort. Il a masturbé l'homme invisible en bas en revanche. À chaque fois qu'il gagne, il... je sais pas ce qui se passe. 3-3 Simple, efficace. Mais c'est pas simple et efficace, c'est Venox qui aurait jamais dû se décaler là. Venox, à chaque fois, il a fait des trucs qui faisait qui cassaient la range. Là, il joue sur les grandes lignes. Hein, forcément, les mecs qui se masturbent sur Yana, forcément. Une hein, grande ligne, moi j'aime bien moi. Faut pas rentrer là-dedans, faut mettre du C4 en dessous. Faut lui mettre des trucs dans l'YEP faut jouer montagne, faut jouer blitz, faut balancer de la ying, faut jouer shotgun, faut jouer contact. Voilà ce qu'il faut faire. C'est ça qui fait que Venox est en finale. Et ça fait égalité parfaite. Pour monter chambre sur Xbox, faut juste jouer montagne. Mec, tu t'appelles Goliath, mais tu dois être taillé comme David, toi. Qu'est-ce que tu parles trop Oh Waouh Christopher Nolan à la production. Incroyable mouvement de canne de la part de Tisma, à qui j'ai dit d'arrêter totalement. Non 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 Il a pas le droit ça. Il refait hein, il la re, re vous avez vu Pourquoi il a pas droné là Il joue contre un bot. Mais nique ta mère, franchement, Venox, c'est celui qui a eu le plus de caution intellectuelle de l'intégralité de ces deux jours. Qui ose dire le contraire Qui va dire le contraire Moi. Mais on s'en fout, toi, t'es personne. Tout le monde. What the fuck pourquoi ils gueulent comme ça vous dit à chaque fois 4 à 3 du coup, Sanzu et sa chance reprennent le dessus. <laughs> le mec est un seul. Oh. 6 t'es un gros useur de Xbox. Grave. Bravo. C'est la première fois qu'on voit un one tap aussi rapide dans l'histoire d'un tournoi console. Est-ce qu'on peut avoir un replay prod. Ça reprend l'info. Il l'a pas vu. Ok. Il a vu que le drone avait vu le drone. Mais qu'est-ce qu'ils font ces cons Ils jouent à Rocket League. Mais ils se foutent de la gueule de qui ces deux fils de pute Il y a mille balles à se faire ils sont en train de. Euh, bah oui, bah si t'es là Bah je suis là bah Si t'es là, t'es là C'est du 1v1 pendant que hein. Vous êtes pas en train de donner les infos à l'autre Il est là Bah oui Oh non Pourquoi Allez Venox l'ouverture de la ligne. Non, non, ça c'est le, ça ça a rien à voir. Pourquoi tu tires là-dessus Qu'est-ce qu'il avait fait Et le tabouret, il a rien fait. Il a déglingué le tabouret. Et deux fois en plus, c'est en mode. Ah si, vraiment. Je l'ai vu bouger, le fils de pute. 5 à 3, injustifié, bien évidemment. seconds to go Biohazard container location unknown Attackers need to locate the biohazard container and secure it Arrêtez Arrêtez d'être médisant, sledge, il a jamais pris sledge de la journée Merci Wolfitech pour les 11 mois, t'es un monstre poulet. Ok, il le sait, du coup, on a pris l'information sur le, la position du conteneur. Allez Phenox, prends l'info là. Voilà, il y a un barbu dans l'escar. Rebouge, c'est pas mal ça. J'espère qu'il le voit pas. T'es trop loin là, frérot, t'es trop loin. Et tu vas encore aller sur des endroits où il y a des grandes lignes. Va jouer le blue, putain. Non, non! Non! C'est trop loin! Je suis dégoûté. Balle de map. Vas-y, bats les couilles. Il si Sanzu il gagne. En fait, c'était pas 1000 euros. C'était 1000 points le clair drive. Je change, j'ai le droit de faire ce que je veux, me... je m'en fous, je m'en fous, je fais ce que je veux. 1000 dinars, mon gars, nique ta mère, allez hop. 1000 dons, c'est 1000 donc vietnamien, ça fait 1,40€. Ouais, fallait regarder le truc, de toute façon. T'as pas regardé les règles Ouais, bah ouais, c'était à côté du truc pour la caméra. Où il oui, fallait allumer la lumière. 3 balles de map, les amis. Pour la PlayStation. Et du coup, on va écouter. Et après, j'ai la trappe qui tient à jouer, mon frère. Il renforce le site. Ok, ça pousse. Le drone n'a pas été pété, il jump hackers ont biohazard. Mais te mon frère! Mais hey, c'est supérieur à i mon frère! Let's go! Il y a l'homme invisible qui est en train de vivre sa meilleure vie en bas à gauche. Alors qu'on a eu euh, tout ce message là, hein, de d'amour, de, 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 de gentillesse, tout cet esprit de coubertin qu'on retrouve derrière tous les joueurs PlayStation. Vraiment, c'est ça que j'aime quand même chez la PlayStation. C'est cette capacité même dans la gagne à rester humble, avec des mots très forts. « Je te dévisse la tête et je te pisse dans le cou, Vénox. » Et ça, ça fait plaisir ça, c'est la beauté, ça. Ah, c'est franchement, euh, il faut que Rainbow Six soit aux Jeux Olympiques. Hein. Vraiment, c'est beau. Merci. <laughs> ça, c'est l'e-sport qu'on aime. Pourquoi est-ce que ça se barre, ça Merde, attendez, j'ai dé dévissé mon truc. Fuck. Ok, bon, du coup, il y a 1-0, les amis. C'est un BO3. Ok, bon, c'est la merde, mais euh... <laughs> le truc va tomber. Euh... 1-0, du coup, BO3, donc Sanzu, maintenant, eh ben, il a le droit à une erreur, et Venox n'a plus le droit à une seule erreur. Il devra gagner la prochaine map, à savoir sa map, pour le coup, qui sera Oregon, sur lequel il y a moins de grandes lignes, il y a plus de verticalité... OK, revenir à un partout et derrière s'il voulait gagner, il devrait remporter aussi Tower qui serait la dernière map, le Decider dans cette finale d'anthologie entre Xbox et PlayStation 5. GG Dave. Les joueurs Xbox au tapis, on retourne ronfler un peu. Les Xbox, vous êtes où on ne parle plus, vous voyez un peu voilà. voilà. Alors que si c'était l'Xbox qui avait gagné, tu vois, ils auraient été humbles, quoi. Humbles. Comme moi. Six, tu peux enlever la rediff sub only pour le live de hier <laughs> Pas du tout. <laughs> Tiens, une petite pub. Attends, elle arrive. Maintenant. <laughs> Il est con. Tiens, deux minutes. <laughs> <laughs> Qu'est-ce qu'il croit oh, Vous êtes les meilleurs. Ok, bon du coup, <coughs> peut-être la dernière map, après euh, 48 heures de euh, tournoi, c'est peut-être la dernière map. Je ne l'espère pas. Plus sérieusement, pour la beauté du jeu, j'aimerais quand même au moins un 1 partout. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus Est-ce qu'on est d'accord là-dessus Qu'on voudrait au moins un 1 partout. Non. Mais niquez-vous, vous êtes horrible en fait. Vous avez zéro story storytelling là. Hein du coup, ça va être parti les amis. On va partir d'ici, comme vous le voyez, le timer est lancé 20 secondes avant de lancer ce qui peut être la dernière map. Est-ce que c'est Sanzu sur la PlayStation qui va enfoncer le clou terminé Et ce soir il va se coucher avec 1000 euros en plus sur son compte en banque où est-ce que Venox va faire la remontada, gagner sur sa map Oregon et gagner derrière sur Tower sur son Decider On va le savoir dans moins de 3, 2, 1. En avant. Oregon. Sécurisation de zone, 30 secondes de phase de timer, 2 minutes 30 de phase d'action. Comme vous le voyez en haut de la map, en haut de la, sur la top bar. 1-0 pour le joueur PlayStation qui a eu beaucoup de chance. <coughs> Et n'hésitez pas, il y a 2640 abonnés à 2701 abonnés. Il y aurait donc une deuxième console War si vous avez envie de revoir. Cette console War, euh, si vous avez envie qu'on en refasse une, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis. Abonnez-vous! Et euh, sinon, pour les replays euh, gratuits, euh, sans le sub Twitch, machin, truc bidule, eh bien ils arriveront euh, sur la chaîne YouTube Replay. Ils ont le droit d'être en voc avec leurs potes? Oui. Il y a un timer, etc. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on s'en fiche. Ils peuvent avoir deux coachs s'ils veulent. On peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, ça on tolère. Mais il y a pas de stream hack possible en revanche, ça c'est sûr. Toujours du V1 pour la console voir ah peut-être un 2v2, peut-être autre chose. C'est pas impossible. On verra en attendant. Tisma nous dit que sa Xbox devient barbecue. Ah ouais Ouais. Zut. Bah faudrait qu'elle crame juste après du coup. C'est toi qui la repaye Non ah. Allez Derrière Sanzo, il s'en bat les couilles, il arrive, il est sur le site, il prend les infos. Oh, on a banni Solis en plus. Je pense qu'on a fait semblant de ne pas le voir. C'est combien votre fauve sur console, les amis Pour moi, il l'a vu. Hein. 90 Bah 90 il le voit. Et là, il est en train de prendre l'info de savoir s'il y a une rota. Je pense qu'il l'a vu. Ah ah oh Et eh oui, parce qu'on est sur PlayStation. Et il y a un C4 à côté. Et si j'allais me coller à côté. Fenix What? Qu'est-ce qu'il fait là Psst. Allez go. Attackers locate the biohazard container. On veut un partout. Je vérifie la FOV du coup.

Pourquoi pas le choix du BO5 BO3 c'est parfait. <laughs> Allez ça joue meeting. Fil barbelé sur la scène. On prend les infos. Il est où Si tu le vois pas Venox, il va trop loin avec son drone parfois. Là il pourrait juste être dans ton trou de balle. Il hein. n'y bon, a pas de solis en même temps, tu me diras. Oh, ça aurait pu être un énorme travers. Attention, 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 ça va jouer là-dessus. Il a vu la tête Il a vu la tête Et Ça fait 2-0 pour Venox 2-0 pour Venox Je suis totalement impartial, mais ça fait 2-0 pour Venox dans la gueule de... <rire> impartial <rire> Ah, je suis en train de mourir. Demain, t'auras plus de voix. Ah non, mais c'est fini. Déjà, j'ai plus de poumons là. J'ai repris trois fois de la ventoline tout à l'heure. <coughs> Neutre, impartial. Merci, merci d'apprécier mon cast et mon arbitrage à sa juste valeur. Allez, 2-0 pour clairement le meilleur joueur de ces deux derniers jours. <laughs> oh, l'agression. Il est sur site. Oh. Attention. Attention, le C4. Le C4. Oh voilà. 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 Tout ça parce que ça a pas d'aim Ça balance des flashs et ça joue au shotgun. Ah bravo. Bravo. C'est ça la PlayStation. Alors là, bravo. Merci Pierrot. Oh oh pour les 32 mois. Bof, hein, ce round. Hein. <laughs> Comment ça, 200 IQ Énervé. Shotgun, ouh. Le sub goal prend pas en compte les subgift. gifts Bah, si, bien sûr que si. Il y a 2641 abonnés. Tu comptes <laughs> refaire la de c'est passé Je sais pas. Ça dépend de votre soutien, les mecs. Et pas votre soutien en mode ouais, je te soutiens, frérot. Non, non, votre soutien avec de la tunasse. Allez Amaru, Venox, Parce que Venox, c'est un mec, il porte ses balls. Il prend des responsabilités. Il va y aller. Il va y aller. Il va prendre l'info. Il va faire... Ah ouais, tu veux y aller. Blam. Attends, je me, je me cale quand même. Ouais, mais je vais redronner quand même. Parce qu'en plus, c'est pas le bon endroit. Hein. C'est pas la master bedroom. Donc, il sera pas sur le site, quoi. Au final, ça va pas faire gagner grand-chose de passer par la kids. En mode surprise, motherfucker. Faut essayer de faire le kill tout de suite dans ce cas-là. Ce qui peut être pas mal maintenant. Euh... Ouais, là c'était... Ah, là c'était trop téléphoné. C'était trop téléphoné. Mais bien joué de la part de Venox qui tente des choses. Qui veut faire des belles choses. Qui utilise son cerveau. Alors que de l'autre côté, on n'a rien.

En mode abandon de site. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça. Chaque round, il nous sort quelque chose de nouveau. Il aurait pu regarder les cams, ça aurait été intelligent, quand même. Ok, tout ça pour ça? Ok, il a l'info. Tu sais où il va pousser. Tu sais que s'il a mis son drone là, ça va être pour rentrer. Ah bah pas du tout en fait. Biohazard, container located by attackers. Allez, allez Venox. Je suis pas le seul à le supporter quand même. que de l'autre côté on cherche on trouve personne où est il tellement intelligent il y a que 2 minutes 30 donc du coup on a déjà passé beaucoup trop de temps il reste plus de 45 secondes au compteur pour la première fois peut-être que le drone va trouver il l'a vu c'est Cavera. il le sait il bouge derrière la flash derrière on bouge. une autre flash pourquoi pas on va décaler au niveau de l'autoroute c'est pas mal Attention à l'ouverture de la ligne Attention à l'ouverture de la ligne Attention à l'ouverture de la ligne Le one tap Il aurait dû l'interroger Boum Il a même pas envie de l'interroger Il a même pas besoin d'humilier Il est tellement là dans une logique de. Toi, j'ai niqué ta mère, là, le fils de pute de Moustique qui me tourne autour depuis tout à l'heure, là. Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Je disais donc. Bienveillance absolue. Non, mais j'en peux plus depuis tout à l'heure. Il est autour de moi. Genre vraiment en plus. 3-2 pour Venox. Qui mène logiquement, j'ai envie de dire. Vu qu'il est un joueur bien plus complet. Ah derrière. Eh, on va perdre le drone là. Venox, pour la première fois, qui va nous sortir un Blackbird. Il a fait 100% des opérateurs. Il les a tous faits. One Tap. Est-ce qu'il l'a vu Oh, ça c'est beau ça Il le sait, mais tu le sais, lui aussi il le sait. Attention parce que là t'as donné l'info par rapport à ton type d'arme, donc forcément il va tirer en dessous de la vitre. Il décale Vas-y c'est un jeu de merde 3 partout. Oh, la vitre, c'est pas du carglas hein. Non, on arrête le stream, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon, ça m'a saoulé. Non, ça cheat, ça cheat. Ça cheat. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao. Oh, c'est bon, ça m'a saoulé. Allez, bonne nuit. Me salty, mais pas que. Non ça, je me reviens pas. Je suis vraiment trop drôle. Mais si tu qui c'est le con qui a inventé ça sur YouTube là 3-3. Allez Venox, donne-nous une troisième map, je t'en supplie. Pour le contenu. Pour le watch time. Et pour la France. Oh il a pris IQ. Le pulse. Est-ce qu'il s'y attend Il l'a. Ah ouais, mais il t'a vu aussi. Il t'a vu aussi. Tu te vois. Il te voit. Vous, vous voyez. Il va... Oh, il a failli l'intercepter. Derrière, il casse pas le fil. Il est là, toujours. Ça, c'est intelligent. Il ne va pas rompre le fil. Il va l'empêcher de s'insérer. Attention. Il le voit, je te vois. Tu me vois, nous nous voyons. Oh Et bien sûr en termes de skill pur, Venox c'est tellement chaud. Grâce à l'utilisation d'une manette qui est tellement mieux que cette bouse infâme qu'est la manette de PlayStation. Enfin c'était surtout de la grosse chatte. Hein. Pas du tout, mais alors là pas du tout. Ferme ta gueule toi. Qu'est-ce que tu racontes Tes gold. Merci les pour les 8 mois. Pire, argent. alors, pourquoi tu parles C'était bah, du Sheko picking euh, parfait et tout. Même Sheko fait pas des décals comme ça. C'était tellement pixel. C'est beau quand il joue. C'est de l'art hein, quand il joue Venox. Alors que Sanzo, bon, c'est un peu. C'est du l'art quoi. elle 5 Biohazard container location unknown. Attackers need to locate the biohazard container and secure it. Et ça joue Buck. Alors que là, il n'y a pas de son du tout. On va rester sur le bug. Hein. C'est bien, ça prend les infos sur le meeting. Pourquoi pas Il l'a vu. Bam bam. On joue au-dessus. Ça va jouer la verti. On va au niveau de l'attique. Allez, faut la péter, cette trappe. Tu le sais, faut la péter. Malheureusement, ton drone a été vu. Attention, pas de face check. C'est bien, ça scanne. Attention, il t'entend lui aussi. Il a pas les flashs en revanche et ça c'est pas méga intelligent. Oh, oh là pas terrible la décale. Pas terrible. Non respecte-moi là. Reste pas là. Ah Ah non, c'est pas ouf là. Là, je sais pas ce qu'il a fait là. Non, là, je suis pas d'accord. Merci pour les deux euros, Feno. Non, là, c'était moche. Pourquoi Là, je peux pas là. L'ouverture, ok, mais il se met mal sur l'angle. Il est mal positionné. Il, il se repositionne mal. Et au niveau de son cerveau, c'est comme un Fog of War sur League of Legends quoi. Faut imaginer la possibilité qu'il puisse être là si vous l'avez pas droné du coup. Il a totalement il s'est fait surprendre par une position qui était d'une logique en fait. 4 partout. Je pense que c'est parce qu'il veut pas humilier son adversaire. Je pense. 5 secondes left before insertion. Wow. Merci pour les 2€ Feno, merci pour les 1€ euro Nicolas. Les amis, vous y êtes presque. Ici, si vous voulez une autre console War, n'hésitez pas à vous sub. Et au-dessus, si vous voulez soutenir la prod, pas moi, 100% de cette thune va à la prod. Et eh bien, n'hésitez pas à faire des dons comme Feno, comme Nico, même de 1€, c'est parfait. NON! Ça, c'est le problème des gens avec un quotient intellectuel trop important. Ça, c'est vraiment le problème. Ça, ça a été ma hantise pendant des années. Ma hantise pendant des années. Parfois, t'es en train de réfléchir, etc. Tu te dis, on va faire ça, ça va être intéressant, etc. Mais t'as oublié. Il y a des mecs, c'est des fils de pute. Ils font okay. des grands tout droits, ils se retrouvent en face de toi. Et toi, t'es encore en train de réfléchir. Et ça fait 5 à 4. Il est nul le Xbox Mec tu le dis juste parce qu'il se fait mener. Qu'est-ce que tu racontes J'ai jamais vu un casque autant impartial. Oui, 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 oui. GG. Oui, Merci, ça me fait plaisir. Merci Draxy pour les 5 mois. Oh, vous a... Vraiment. <coughs> vous y êtes presque les amis. Five left Allez Venox On veut la troisième map. En attendant, plus sérieusement... Sanzo qui est très très proche de repartir avec 1000 euros de Monopoly. Fou. Il est là, vous êtes là, vous vous regardez. Il drone plus. Attention Vénox. Il est là, le méchant. Il repart. La flash! Derrière oh, y aie, y aie, y aie, Ça fait 6 à 4 Ça fait 6 à 4. Décidément, l'homme invisible kiffe sa race en bas à gauche. Et on va écouter du coup... Ces bruits là qui font flipper quand même, c'est des bruits qui font flipper, on va pas se mentir. D'un côté il y a une chaise, c'est la porte des enfers. De l'autre on dirait une sextape de hamster. Allez, attention, 6 à 4, deux balles de match. Plus sérieusement. Venox, il s'en bat les couilles, mais pour une balle de match, il va aller à l'extérieur. Il va le tenter. Mais attention à Samzo. Attention à Senzo. Il a vu, la porte est ouverte. Hum... Mmh. On est que deux sur la map, c'est si la porte est ouverte. Venox, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Il est, il est en tilt total. Le bomb site, il est en bas. Sanzo, il va faire un grand tout droit. Il y va, il sait faire ça. Boum boum. J'y vais. Boum boum. J'y vais. Je suis sur le site. Alors, tu fais quoi Derrière, je flash le mur. Là, ça, ça te prend quand même dans la gueule. Il l'a vu. Il l'a vu. Il flash à droite. Il flash à gauche. Et l'autorne énorme Yeah Réaction Let's go! What Mais qu'est-ce qu'il fait là Cédric Doumbé <laughs> Cédric Jumbé. Ouais, <laughs> je comprends plus rien. Bien évidemment, c'était un BO5. Et on va donc partir maintenant sur la dernière map. Bien évidemment, cette map qui sera décidée par Sanzo. Vous aviez été très nombreux à me faire chier dans le chat depuis tout à l'heure et à chialer. Hein? Pourquoi c'est pas un BO5 Pourquoi c'est pas un BO5 Eh ben je vous ai entendu et je suis d'accord avec vous. Nous allons donc partir sur un BO5. Tout ça grâce aux 15 chialeuses du chat depuis tout à l'heure. Franchement, ça me fait plaisir. Hein Et on part sur une autre map. Et cette map, ce sera Tower. Ah non, je déconne. Bon bref. Merci infiniment, le frigoriste, pour euh, avoir offert à Stariba ces 6 mois de frais de scolarité. Merci Draxy pour les 5 mois de frais de scolarité. Un monstre. Merci les poulets. Merci Draxy pour les 5 mois. Voilà. Effectivement, c'est fini. Réaction à chaud. Réaction à chaud et, euh, et réaction à chaud. D'abord, on va passer avec nous. Il faut que tu m'invites. Euh, et, 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 et en avant. J'ai envie de la réaction à chaud de, de venox. Bien évidemment, Hello. merci Nicolas pour les 1€. Et ensuite de la réaction du grand gagnant, celui qui repart avec 1000 balles, alors que Venox repartira avec le sentiment amer de cette fait volée le mec, le, mec, le mec qui, insiste, qui a aucune, aucune impartialité. Genre zéro, tu sais, jusqu'à la fin. Oh, Qu'est-ce que ça me fait rigoler. Euh, ok. Allez Comment est-ce qu'on les fait venir pendant que je suis en train de <coughs> De mourir Mon cher euh, Axdanks. Il y a un groupe Discord qui est en train de se créer. On, on fait ah oui, d'accord, ok, comme... mais je suis dedans en fait. Je suis dedans. Euh... Venox, Sanzo et... Euh... C'est good, tu peux y aller. Ok, euh, c'est parti, ok, en avant. Alors attendez, ok, j'y vais. Bam. GG frère, t'es meilleur frère. GG frère. Bonsoir! Bonsoir. Comment Bonsoir. ça va? Ça va, toi? Ça va bien? Ah ouais, ça va. On n'a pas le droit à ta cam, Sanzo? Attends, attends, jamais. Ah, quand même! Fois. Attends, merde, attends, moi je suis au mauvais endroit là, du coup. Bouge pas, hop là, je me déplace. Euh, que si, tu, si tu fais clic droit sur les pseudos, tu peux désactiver, euh, tu, veux, tu peux cacher les participants sans vidéo. Comme ça, tu verras juste les deux personnes, les deux gagnants. Clic droit, euh, afficher les participants en vidéo. Ah, c'est nice non. ça. Ouais, bah du coup, oui, je le décoche, quoi, j'ai compris. Voilà. Merci pour l'été à mon Bon, alors attends, euh, du coup, on va commencer. Vénox, alors je sais que tu m'as l'air très excité, mais si tu peux arrêter de te caresser là parce ah, que je... ça tremble dans je... tous les sens. <laughs> non vraiment, va, je... Je, me calme, je, me calme. je peux comprendre hein, l'excitation et tout, mais là, non je plaisante. Bon, du coup, euh, Vénox, GG quand même, plus, plus sérieusement, premier degré, c'était chouette, c'est quoi les impressions du coup bah, Franchement, euh, je m'attendais pas jusque là, mais franchement je suis content de moi-même, parce que j'ai pas trop de shoot tu vois. Mais je trouve que j'ai bien joué. En... Dans l'ensemble, j'ai bien joué, je trouve. Ouais, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à aller jusqu'en finale et la gagner sur Xbox Bah, franchement, c'est que les gens ne savent pas trop bien jouer en montagne, certains, et. Je sais pas, l'envie de très hard, l'envie de me la donner, je sais pas, ça a peut être fait un truc. Peut-être j'ai eu de la chance aussi, il si y a une partie de chance là-dedans. Mais je sais pas, ça n'a pas à tout, quoi. Je pense que c'est plus le Game ce qui m'a aidé, parce que je ai... je... sur Xbox j'ai un peu d'expérience que. Que le reste, tu vois, le shoot, tout ça, c'est pas trop ça. Ouais, mais en revanche, chaque round, t'as quasiment utilisé l'ensemble de tous les opérateurs. Hein. T'as joué Blackbird, Buck, Nomad, oh. Ash. Yana, euh, euh, t'as tout joué, montagne, Blitz a été banni, enfin pas pendant la finale, mais quasiment pendant et tous les opérateurs, verticalité avec un warden, C4 préplacé pré pré avec un pulse, lésion, euh, à chaque fois quasiment, tu, euh, bah, tu te disais, ok, comment est-ce que je peux m'adapter et comment est-ce que je peux surprendre, quoi. Le push avec Amaru, parfois avec une arme, le push avec Amaru, parfois avec un, un shotgun. Euh, bon, la thermite qui était foirée, mais c'était vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, il y a eu des trucs. Euh, Ouais, la terre tout à l'heure était incroyable. Euh, la on n'a rien vu, on n'a rien vu. Mais c'était propre. Vraiment, c'était vraiment incroyable. Euh, et et as très bien joué. Et félicitations à toi. Du coup, ah, merci. avant de te, de te remercier euh, <laughs> et de passer avec le, le grand gagnant, euh, yes. il y a normalement... Du coup, il y a euh, c'est une, une, une compétition qui est Winner Takes All. Hein, donc, c'est le, le gagnant prend tout. Il y a 1000 balles pour le gagnant. Néanmoins, Oli, ouais. je leur ai demandé de faire un petit effort, etc. Et ils m'ont envoyé tout à l'heure un message. Donc, Ce qui veut dire que pendant un an, pendant absolument un an, tu seras abonné gratuitement à Oli. Pendant un an, tu recevras, dès que tu le souhaiteras, tout ce que tu veux avec Oli euh, directement. Et Oli, c'est quoi en gros Parce que moi je connais pas trop. Oh. Pardon, chef. Vas-y, mais oh, c'est là, t'aurais dû dire non, c'est incroyable, c'est génial, mais etc. Incroyable, <laughs> chaise, <laughs> etc. Ouais ah ouais, c'est quoi J'en ai aucune idée. Si, Oli, non, du c'est ce Oli, c'est le partenaire qui nous a permis, bah, du coup, de donner les 1000 balles euh, à, à la personne que je vais interviewer d'ici, euh, d'ici quelques secondes, et euh, du coup, Oli, ouais. c'est à euh... ah, la base, c'était des energy drinks en poudre, et après, c'était des ice tea en poudre. Euh, et donc du coup pour toutes les personnes qui ne boivent pas de l'eau du robinet comme je le disais les gigachats c'est les mecs qui boivent que de l'eau du robinet et pour toutes les personnes si tu bois du coca du Red Bull du machin du truc franchement au lit c'est vraiment mieux c'est plus économique c'est plus écologique et voilà quoi tu mets un petit truc avec de la flotte et derrière t'as l'impression d'avoir de l'ICT voilà. ça pote quoi hein ça pote ou c'est juste euh... genre c'est je mets dedans et ou c'est directement une gourde je sais pas je sais pas si t'as capté <laughs> C'est de, de, euh, ouais, de la poudre Tu prends une poudre poudre Voilà, voilà, voilà C'est bon, de, de la coup, poudre Après bon. tu t'en fais ce que tu veux ça Tu va. vois tu te la mets en suppo Si t'as envie de la mettre en suppo <laughs> tu, tu fais là, ouais. un rail de Holly Si t'as envie de te faire un rail de Holly Tu vois Mais en règle générale La plupart des gens eh bien Le mettent avec de l'eau Ouais Ok ça va eh ben voilà. Et donc pendant ah, un an tu T'auras un abonnement euh, Et tu pourras recevoir euh, Pendant l'intégralité d'un an Dès que tu demanderas Tu seras refill sur Holly Pour le coup Voilà C'est carré Merci Merci à toi d'avoir participé En tout cas et merci. merci vais, Allez, ciao, ciao, Venox, bye, ciao. bye bye. Ok, bon, le grand vainqueur. Vas-y, bah, c'est quoi les impressions alors Les impressions, euh, je suis vraiment fier. Là. Je sais même pas quoi dire. C'est après, à vos... je pense que ça a été un avantage de jouer euh, le tournoi PS en premier. Ouais. Comme ça, j'ai pu voir euh, tous les joueurs jouer, voir euh, même le finaliste, comment ils pouvaient jouer. J'ai vu qu'il y a des... Enfin, je vous ment pas que j'ai très stressé euh, du Montagne. Ouais. Je me suis dit, je ban Blitz, je ban Montagne, je sais pas. J'ai même été en pépé avec des potes, qui je leur ai dit de prendre Montagne, Blitz, voir lequel je peux le plus tuer. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre une décision, je vais ban Blitz. Bref, T'as as travaillé, tu as travaillé. Premier round, je tente de me cacher, ça fonctionne. Et après, je me dis, je vais jouer au RIX. C'est un contre-contre de montagne et puis ça s'est très bien passé. Hein. Ouais, franchement, c'était bien joué. Non, non, tu très bien joué et tu mérites ouais. totalement. Du coup, là, c'est ouais. Oli qui te contactera. Ouais. Merci, Vaname, d'ailleurs, pour les 1€, mais ça, on en reparlera après. Euh, du coup, bah, félicitations déjà d'être pour la première console War, donc le premier euh, vainqueur de la console War, non seulement en tant que joueur, mais en plus en tant que représentant de la communauté PlayStation hein, face à Xbox donc euh, oui. GG à toi merci d'avoir participé <laughs> merci d'avoir été là et derrière euh, bah, on se recontacte en DM euh, pour, euh, pour t'envoyer ces euh, 1000 balles tu vas faire quoi avec 1000 euros d'accord c'est ça franchement c'est un PC hein. <laughs> ah je suis tellement content ah. vrai, un, PC. un portable ou un fixe non euh, un PC gamer <laughs> ah putain meilleure réponse ever ah ça fait plaisir voilà voilà ça fait plaisir en d'avoir un tournoi sur console. Très bien organisé, le staff et tout, nickel. C'est incroyable, merci. Eh ben, merci à toi d'avoir participé. Sans, sans, vous, euh, sans vous, les participants, on n'aurait rien fait. Donc merci à toi et d'avoir été pro jusqu'au bout. De rien, merci. Bonne soirée poulet, et on se retrouve. et Viens me DM sur euh, Twitter ou Discord, ça ira. D'accord, je vais faire ça, merci. Allez, bisous, ciao ciao. All right, ladies and gentlemen. Bon, du coup, eh bien, ça va être sur ce que l'on va se quitter. Je vais repasser euh, directement dans la chambre où la nuit est tombée. Ouais, ça va vite ici. Et hop, la nuit qui tombe. Donc du coup, merci à vous. Euh, bah en plusieurs merci de merci Skytinly pour les 20€ euros. merci la prod force à toi catinue, Six repose catinue, toi bien ah ouais là j'en peux plus là je suis shooté au paracétamol, de paracétamol de et à la ventoline depuis de 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 3 jours d'ailleurs merci Skytinly pour les 20€ t'es un monstre envoyé plein de GG plein de coeur pour Skytinly allez vous abonner à sa chaîne il fait du contenu de ouf Certainement le meilleur joueur en tant que streamer sur PC qui voilà qui lance des streams quoi qui tryhard encore il a plus beaucoup pas moi par exemple donc donc merci Ok, pourquoi il y a tout, ce, tout ça qui vient d'apparaître là Ah ouais, c'est la fin du truc. Tiens, on va aller regarder ça, les amis. C'est Mark Robert. J'aime bien Mark Robert. C'est très, très cool ce qu'il fait. Du coup, c'est la fin de cette console war. Que dire Si ce n'est rappeler, eh bien, euh, bien évidemment... Ah bah ben non, mais vous ne les pas vu ce qui est apparu, en fait. Rappeler, euh, j'espère que ça vous a plu, euh, déjà. Euh, donc, euh, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez une prochaine console war... Bah ça ça peut bouger parce que ça peut descendre hein, demain donc il vous reste encore quelques minutes et ça c'est pour la prod donc merci infiniment pour eux 100% de cette tune là et eh bien ça part directement pour la prod. La prod, justement, euh, n'hésitez pas à les remercier. Axe Dinx, euh, qui était avec moi euh, au micro, qui reste pendant deux jours, du coup, c'est lui qui récupère les flux, c'est lui qui discute avec les joueurs. Hein, euh, et c'est majoritairement lui qui récupère le, le flux des caméras. C'est lui qui euh, fait en sorte que bah, euh, ce que vous voyez apparaître à l'écran apparaît à l'écran. D'accord? Moi je ne fais rien, donc c'est vraiment une production qui est totalement délocalisée. La récupération des flux, elle a été faite grâce à deux observateurs qui sont euh, aux membres de la SA et qui sont dans le Pôle event pour le coup. Tisma, hein, qui, a fait, qui a été là jusqu'à la finale. Euh, et euh, Jericho, euh, pour le coup, qui sont restés pendant deux jours, malgré le fait qu'ils aient euh, aussi leur vie, euh, leur vie sur le côté. Hein. Merci, Defman, pour les 5 euros un, Un monstre. Du coup, tout ça, ça part pour la prod. Donc, merci pour eux. Bien évidemment, merci euh, à tout le staff annexe de la Solti Academy. Bien évidemment, les admins et le, donc le pôle event de la Solti Academy qui gère le tournoi sur challenger mode, parce que bah, parce qu'il faut gérer les tickets, etc., machin. Euh, toutes les personnes qui ont fait le FAQ, les petites vidéos, etc., etc. Euh, voilà. Donc ça, le pôle event la partie surveillant pour nous chez nous les surveillants euh, euh, bien évidemment c'est ce qu'on a c'est ce qu les modérateurs hein. c'est donc c'est toute la modération euh, qui est un peu plus stricte chez nous qu'ailleurs très certainement euh, mais c'est voulu merci panda pour les 20 euros pour la prod justement euh, vous êtes absolument des monstres merci à Oli, une fois de plus parce que c'est pas facile pour nous d'aller chercher des des, 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 des sponsors c'est vraiment c'est un truc ça a mis trois mois pour aller chercher des sponsors pour pour leur dire voilà ce qu'on peut faire avec vous, voilà quel est l'engagement que vous pouvez avoir, non on n'est pas une voiture de Formule 1 sur un GP Explorer, non on n'a pas, pas le même reach, etc. Mais en tout cas, euh, donc ça fait extrêmement plaisir qu'il y, qu y ait des marques euh, qui, euh, qui comprennent euh, qu'ils ont une possibilité de retour sur investissement réel euh, pour le coup en participant et en aidant euh, à ce genre de truc. Euh, voilà, donc c'est vraiment gagnant-gagnant et c'est le genre de deal qui me fait extrêmement plaisir. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour, sûrement pas, j'ai sûrement oublié les community managers, bien évidemment, euh, qui, euh, qui, qui, qui font un travail admirable. Les personnes qui vont s'occuper sur la chaîne, pour l'exclamation YT, donc sur YouTube, hein, c'est les monteurs, vous les voyez passer de temps en temps, et les designers du campus, bien évidemment, euh, ça c'est pareil, 100%, bon, on va dire plutôt 90%, 85% à l'heure actuelle de la thune qui est générée par YouTube, euh, par YouTube, <laughs> YouTube.fr. Euh, par YouTube, euh, et ben ça revient à ces personnes-là. Donc euh, voilà, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, parce qu'une fois de plus, euh, on n'est pas euh, avec, on est, on est une toute petite chaîne. Hein, je ne cesse de le dire. Et euh, du fait qu'on soit une toute petite chaîne, bah, l'algorithme ne nous aide pas. Hein, va pas forcément nous mettre en avant. Et pour qu'on soit mis en avant, et eh ben, il faut liker les vidéos, faut mettre des commentaires à la con. Euh, voilà. En règle générale, on les lit. Vous le voyez. Moi, je réponds de temps en temps sur les commentaires pas tout le temps, mais sachez que ça nous aide énormément euh, ce genre de truc là Si vous cherchez des teammates à l'heure actuelle, vous pouvez aller sur le point d'exclamation Discord. N'hésitez hein, euh, pas, go faire une commande Oli pour les remercier. Point d'exclamation Oli, les amis. Moi, c'est mon partenaire depuis... C'est mes partenaires depuis un an et, euh, et vraiment, je, je pense qu'on va continuer ensemble. Enfin, S'ils le veulent, on continuera ensemble. Voilà. Euh, merci Victor Leval du coup pour les 10 droits de scolarité offerts. Vous êtes des monstres pour Berger-Clouche, pour Campos, pour Redsal... Pour Julien, pour uh, Yongkoying, uh, Thyroïde, uh, uh, pardon Spirit Hugo, Croquis, Soldat, uh, Trance, Triants. Uh, merci infiniment. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Victor Loval s'il vous plaît. Le monstre. Uh, voilà, je pense que c'est uh, le tout. Merci à tous les participants, quand même, parce que, bah, une fois de plus, ça c'est pareil. Si on avait vu un, un, un tournoi, uh, moi je l'ai dit directement au staff, si j'avais vu un tournoi, je, en, je, je commence à être en sueur, là c'est la fièvre qui remonte. Euh, si on avait vu un tournoi du coup avec 30 joueurs euh, ou 100 joueurs d'un côté, je vous aurais fait des gros fucks en vous disant allez vous faire enculer avec vos plateformes de merde, plus jamais j'y retournerai dessus. Mais là vraiment, j'ai été agréablement surpris. Vous voulez mon vrai avis premier degré J'ai été agréablement surpris. Oui, il y a trop de chialeuses dans votre communauté. Oui, vous êtes une communauté qui est beaucoup plus immature ou moins mature que la communauté PC. Ça, ce sont des faits. Et là, je ne dis pas avec du second degré. Hein. J'espère que vous voyez la différence. Donc je le pense sincèrement, c'est très difficile pour nous, euh, c'est beaucoup plus difficile pour nous d'organiser des trucs sur console pour les raisons que je viens de donner que ce serait sur PC. C'est plus de tickets à gérer, c'est plus de drama à gérer, c'est plus de personnes qui n'ont pas forcément la conscience professionnelle du, du côté prod, c'est les personnes qui sont plus jeunes, etc. etc. Mais vu les chiffres, etc., c'est pas impossible qu'on refasse quelque chose euh, si, euh, si vous le souhaitez. Je ne sais pas quand. Euh, mais on fera quelque chose. La prochaine, le prochain truc qui va arriver, ça va arriver très prochainement. J'en profite. Il va y avoir deux choses. Deux choses qui vont durer. D'une part, euh, on va partir de la fin. Le 27, 28, 29, point d'exclamation, Louvard. Moi, je serai en Belgique. OK euh, Et pour amener à cette Louvard le but du jeu, on va essayer de faire un Youngtis Royal où on va, comme on l'a fait à la Gamer Assembly, idéalement, on va partir de rien. On va partir d'un formulaire G-Form. On va essayer de faire une équipe compétitive et on va essayer d'aller gagner à la Louvard à la Gamer Assembly, vous l'aviez suivi pour certains. On était allé jusqu'en grande finale, du coup, et c'était pour, pour l'occasion pour des, pour des joueurs euh, du sub-top d'affronter des Checo, l'Ikefak, et etc., etc. Et ça, du coup, ça va commencer incessamment sous peu, euh, sous deux semaines, en tout cas. On commence ça, et derrière, idéalement, best-case scenario, euh, on y va, on monte à Paname, boot camp, et bam, on part à Paris tous ensemble. Voilà, une fois de plus, tout dépendra. De ça. En fait, tout dépend du nerf de la guerre, de, de l'implication monétaire de la communauté euh, que je ne saurais euh, rappeler à chaque fois. Voilà. Si vous êtes là, vous êtes là. Moi, je suis là. Je suis un outil. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Sur autre, euh, on ira sur autre chose. Ok euh, C'est dommage. Je manque pas beaucoup de subs pour une deuxième édition. Anyway, les amis, pour moi, c'est rideau. 9h de live un dimanche. Euh, le Covid, même si ça va quand même relativement mieux que hier, même si je sais que je vais encore passer une nuit de merde. Euh, C'est rideau pour moi. On se retrouve peut-être demain sur le campus. Je ne promets rien du tout. Je ne sais pas. Hein, euh, je ne sais absolument pas. Que, si vous avez des questions, des trucs à dire, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas, les amis. Hein, qu'est-ce que vous avez pensé du... Du, 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 de la console War S'il y a des choses à dire Le staff si vous voulez euh, euh, Si vous voulez venir dire quelque chose Vous pouvez Je vous en prie Avant de Rendre l'antenne Allez on débarque On débarque oh, pas, Toujours pas, les mêmes qui Pas, arrivent. pas pendant les 3 heures non plus hein. C'était trop bien Trop bon event Go faire un SnowRunner War Un SnowRunner War <laughs> Un expédition War Ouais ça pourrait être pas mal ça à part les chialeuses, c'était très bien. Ouais, mais après, c'est à vous de vous autogérer aussi, les gars. Franchement, euh, dans, dans le chat, il n'y a pas besoin d'avoir une épée pour euh, dire à, à deux trois mecs de leur dire « Bon, c'est bon, tu la fermes un peu. Voilà, » euh, Mais ouais, au début, c'était un peu relou. Hier, il y avait quand même pas mal de gens « Et pourquoi tu fais pas ci ?»« Et pourquoi tu fais pas ça ?»« Et pourquoi si Et pourquoi ça ?» je, je, On les connaît, je le savais avant. Euh, hein. euh, plein de conseils, de trucs, de machin On le savait que ça allait être ça, mais quand même... Euh aidé par le fait de pas beaucoup dormir il y a eu un moment où j'ai fait ok stop euh, c'est un peu chiant aujourd'hui moins de monde euh, pas en termes de viewers mais moins de monde sur la le, 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 en termes de joueurs Xbox une maturité un peu supérieure à la, sur la Xbox on va pas se mentir la moyenne d'âge est un peu supérieure donc euh, moins de drama aujourd'hui moins de tickets pour nous on le voit hein, tout de suite nous hein ouais nous euh, de notre côté ouais. Ouais. clairement Bon, on va pas se cacher. Euh, nous, on est content des stats, mais d'un point de vue préparation et prod, c'est beaucoup plus compliqué avec des consoles qu'avec des, des PC. Ah ouais, forcément. Et... oui, forcément. parce que il y a rien en plus... que le fait de mettre la caméra. Oui, parce que et... le fait, le, le, il faut un PC pour faire de la du bon euh, du, du bon render console, alors qu'il faut qu'un qu'un PC pour faire du render PC. Là, il faut le console la console et un PC à côté. Et encore pour mon cas sur la Xbox, il faut forcément une bo un boîtier d'acquisition. Donc ça fait forcément beaucoup de matos qu'on a dû mettre en place, euh, surtout d'un point de vue matériel, euh, en plus des personnes qui sont toujours présentes euh, tout au sein du, du campus. Euh, et puis bon, parler, pour parler un peu plus au nom des admins, oui, il y a eu beaucoup de différences, mais dans tous les cas, on a tout fait pour gérer un maximum. Et l'event, au final, s'est quand même très bien déroulé. On est quand même content des résultats tout à fait ouais, Des stats etc et et est-ce six... est que t'en es... es content toi quand même ah, on verra demain moi je vais aller manger je vais aller dormir je vais aller prendre une douche et voilà ah, quoi. tu fais pas la réu où tu nous défends sans nous pas disant tout. de la merde non non c'était <laughs> jamais je... ça non ça ça arrivera demain <laughs> je pense <laughs> en vous disant ça c'était un peu pourri ça c'était d'un peu pourri parce que comme d'hab moi je sais pas trop dire les compliments donc forcément ils se prennent un peu dans la gueule mais bon, en fait je, je mets discord mais vous voyez pas ce qu'il y, qu y a derrière moi quoi euh, vous voyez, euh, non, non, ça, ça attendra. Non, c'était pas mal. En termes de, on n'a pas eu trop de problèmes techniques, etc. Je suis plus, l'amertume, elle vient plus de, du comportement des joueurs, mais c'est pas grave. Mais bon, voilà, on avait fait un FAQ, euh, euh, on avait vraiment fait un listing avant de, 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 de rentrer dans, d'accepter dans, dans, euh, de, de, au final de participer au truc. Et vraiment, est-ce que tu as fait ça Est-ce que tu as fait ça Est-ce que tu as fait ça euh, Voilà, et on se rend bien compte, bon, que souvent les gens font participer. Ils font participer, ils participent. Et puis derrière, bon, euh, ils n'ont pas forcément regardé le tuto pour les caméras, les trucs, les machins. Bon, on le sait en fait. Mais bon, ça, ça, ça... Je ne devrais pas le prendre mal. Je devrais le prendre de, de façon euh, avec plein de maturité, avec du recul, en me disant, c'est pas grave, ils le savent pas, on le dit une fois, deux fois, etc. Mais j'ai du mal à être un prof. Moi, je ne suis pas un très bon prof. J'ai pas beaucoup de patience. Moi, c'est, euh, c'était dit, c'était marqué. Alors, vous avez vu, il y avait un panneau. Bon bah, si vous avez pas regardé le panneau, je m'en fous. Je suis pas là pour faire votre éducation. Donc du coup, j'ai un peu de mal avec ce genre de truc-là où euh, faut redire les choses sur les caméras, faut réexpliquer, etc. Faut un peu évangéliser la bonne parole. Bah, ça, c'est un peu plus dur pour moi hein, de, de de prendre un peu les gens par la main, quoi. Même si c'est relativement jeune. Il ouais, y en a certains, je les aurais virés direct. Il hein. y en a certains, on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup galéré. Merci infiniment, Beirut Girl. Et pour toi, enfin, pour le raid, toi et tes viewers, alors qu'on on est sur la fin, nous. T'as dit quoi, pardon, Axinx Bah, il y, y a certains, avec certains, c'était vraiment dur, quoi. A, on, a, on la voit, la différence PC, hein, entre PC et console. Oui, c'est plus dur de mettre sa cam, oui, machin, mais il y, y en a... Euh... Ils lisent pas, ils arrivent, ils font aucun effort. Il y a, il y a plusieurs fois, où on s'est dit, ah ouais, non, plus jamais, quoi. Plus jamais. Il y a eu, y a eu des fois, où on s'est dit, mais on, 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 on était là. Et au final, quand on voit les stats, on est quand même content d'avoir fait l'event, quoi. Mais il y, a, il, y a, il y a des fois, où c'était dur. Il y a des fois, où c'était dur. Des fois, on se disait, non, on arrête tout, c'est fini. Ouais, non, mais je, je, partage, je partage cet avis. Je partage cet avis. Donc, j'arriverai quand même, euh, vu, vu la qualité de l'event, la qualité de la finale, etc., machin, je, je, et, et la présence, et le fait que les gens aient répondu présent, j'arriverai à englober ça, à, en, à envelopper ça dans un, 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 joli, un joli paquet cadeau et, 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 et plutôt me souvenir du positif. Sur le, voilà, dans, dans, dans le placard de mes souvenirs, ce sera plus un cadeau qu'un vieux truc que je n'ai pas envie de, de, de réouvrir, quoi je me dirais, ok, euh, pourquoi pas en refaire un Il y aura une petite nostalgie qui arrivera dans 3-4 mois et en me disant, bah tiens, pourquoi pas refaire un truc, quoi. Euh, donc je, je pense que c'est plutôt positif que négatif. Il euh, y a un moment où ça pourra me rendre nostalgique que d'avoir fait ça. Euh, et on pourra se refaire très certainement une autre édition, même s'il y a eu plusieurs fois où effectivement, tu as juste envie de fermer le placard en disant, bah alors là, plus jamais, je, et là, plus de la clé, je la balance, quoi. Au revoir. <coughs> voilà. Bon. Messieurs, vous avez quelque chose à rajouter avant que je décède bah, En tout euh, cas, merci à tous, déjà, pour les dons. <laughs> ouais, parce que, n'empêche, euh, 1160 euros, c'est énorme. On... Je voudrais remercier Nano. Nano, ah. il a dû balancer quoi Ah oui, merci, balles, Nano. Hein. 370, tout. je crois. 370 ouais. bah, C'est ouais. énorme. Ouais. Il, y a, il y a eu d'autres ouais, gros donateurs aussi, franchement, vraiment. Ouais, mais les merci Suisses, à quoi. tous. Ouais. Merci à tous. Même les petits dons, bah, mine de rien, bah, ça fait chaud ça... au cœur et... et ça nous motive derrière, donc... Euh... Merci à tous. Voilà Et puis pour pour rajouter. Rendez-vous au prochain épisode. Un petit dernier mot. Il euh, y a quand même eu du gros niveau. Je pense qu'on s'attendait pas à avoir un niveau aussi serré, plus serré que sur PC sur certains moments. Non, 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 mais je veux dire, non, là, je veux tous dire, les joueurs console sont partis, il reste plus que les vrais de vrais et tout. Non, non, mais vraiment, je veux dire, là... non, non mais ce que je veux dire par là, non mais ce que je veux dire réellement par là, c'est qu'on a quand même eu des beaux duels sur des matchs, on a quand même eu, on a vibré, c'était pas plat comme euh, comme compétition. <laughs> Ok, je crois que ça veut tout dire, je dis de la le merde. Non, c'est ok, c'est ok, oui, 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 mais, mais... j'ai autant vibré que, que. Mais je sais pas, moi, qu'un qu combat de poule de MMA, tu vois. Bon, effectivement, ils oui, bah, ont le même oui, niveau, bah... donc il euh, y a un moment, où... tu vois, mais bon. Non, je déconne, je c'est déconne. c'est pas vrai. C'est sûr. <coughs> non, mais en tout cas, merci à toi de nous faire confiance à tout le monde. Ouais. Euh, bah, nous, moi on aussi, est Moi aussi, je peux venir envoquer avec vous. Il hey, y, y a ta femme là qui arrive. C'est qui bah, tu machin... princesse Mathilde euh, Je connais pas. <laughs> tu connais mais pas, vous... ouais. Mais ouais. vous allez vous pêcher ou quoi T'as un problème ou quoi T'as une meuf, toi Non, mais moi j'ai personne. Mais t'as quel âge J'ai 20 ans. T'as 20, 20 ans T'es beau gosse T'es beau gosse T'es plutôt beau gosse pour 20 ans. Mais rougir. si, mais je te le dis. T'as confiance en toi. Mais es... Et toi, t'es une knacky ball, fils de pute. Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qu'il dit T'es une frite. L'autre, c'est un Haribo. <laughs> ah. Mais ouais, ah. donc alors, vas-y. Euh... Allez, dis-moi Tismat, t'attends quoi, là Mais, mais j'ai plus la belle voiture pour euh, frimer, c'est pour ça. pas grave, ça. Mais on s'en fout, là. C'est pas l'apparence qui mais compte. Ouais. Non, non, mais C'est pas oui. l'apparence qui compte. Mais on verra bien. On verra bien. Ah. Ah. Attends, mais, mais on, on veut savoir. savoir. Vas-y, ça se transforme non, en Radio 6. Non, 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 mais il y a rien qui se passe. Radio <laughs> 6. Mais Mathieu, je la connais depuis quasiment un Radio 6, pas mal. Quoi? Bah, JPP. Oui en revanche, faut que t'arrêtes, Mathilde. JPP, hein. c'est moche. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est Jean-Pierre Pernaud. Ouais. J... Ah, oui, c'est ça. Jean-Pierre Papin, c'était <laughs> mieux, mais bon, ok. Ouais, <laughs> c'est pas mal aussi. Dis ça par mal. Non, mais Mathilde, du coup, -vous... ça fait un an que vous connaissez? Oui. Ouais, moi, au début, je croyais qu'ils se connaissaient euh, de... depuis. Bon, de... bon de... bah alors, quoi. pourquoi il n'y a pas eu sécurisation de zone, là? Mais parce. Bref, je vais pas épiloguer sur toute ma vie, sinon on est encore demain. Ah si, vas-y, épilogue sur toute ta vie, Tismar. <laughs> non, non. T'es pas fatigué T'as. Pas... Tu aimes les garçons, le c'est ça Vas-y, ah, pas Non, non, ah, non. Ouais. Non, 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 moi je. Non. Non, non, j'aime pas les garçons, moi. Enfin, j'aime ouais. pas les garçons. J'ai des amis euh, copains. J'ai des copains, voilà, mais j'aime pas les garçons. Drama. Non ça Ouais, ça... eh non, tu rames. Bah oui, tu rames. <rire> <rire> Merde, mon coca. Non, mon holly, j'ai fait tomber mon holly. Est-ce que tu as envie de sucer des zigounettes ou pas en fait C'est tout quoi. Bon bah voilà, il bon, y a un moment, il y a un moment faut arrêter de Non, je ah. préfère les moules. Je préfère les, je préfère boules, les moules au frites. Beauf. Oh là là. Oh le carnage. <laughs> Oh mais là, Parce que arrêter, sinon t'as un de dispo Non 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 c'est bon Non là c'est le carnage Non mais Non Mathilde je l'apprécie très bien Et voilà See you soon. Attends mais est-ce qu'il est qu peut y avoir un truc ou pas Est-ce que toi t'aimerais qu'il y ait un truc Vas-y oui, tu peux dire oui ou non C'est tout Bah oui j'en sais rien oh. Mais c'est nul ça j'en sais rien c'est un oui Ça c'est un aveu déjà mais j'en sais rien, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Si demain je travaille pas donc je vais dormir vu que je suis fatigué, mais j'en sais rien. Mathilde, viens sur Discord deux secondes. Moi je vais vous révéler <laughs> le truc en deux secondes, eh, ça va être sérieux, ça va être fini. Oh là, là. là. Non, elle va mal finir cette histoire. Vas-y, vas-y, viens Sinon, Mathilde. Mathilde. Tu m non, mais, non mais de, de base, non, je voulais juste Comment dire... ça Non, c'est toi qui as dit que tu voulais venir tout à l'heure. Je vais te trouver un cum, vous êtes marié dans deux mois là, c'est bon quoi. Vous m'envoyez un faire part et terminé. J'assume ah, tu... hey, plus. si tu veux tu fais le témoin, tu fais le témoin. On ouais. trouve un Ah non, c'est mort. Non. Aïe aïe aïe. Non, mais non. T'as <laughs> zéro ouais, confiance je... en toi sérieusement. Mais non, mais c'est pas j'ai zéro confiance en moi, c'est j'en sais rien. Mais comment ça t'en sais rien Mais j'en sais rien, c'est tout. Je, 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 je ne veux Il pas est lâcher. Timide. Je vais pas lâcher de bombe nucléaire alors que j'en sais rien du tout. Je vais pas dire oui, je vais pas dire non. Ouais tu veux pas tromper ta main droite quoi. <laughs> oh les jeunes c'est chaud. J'en sais rien, égale oui. Non mais on non est d'accord. Pire... Au il pire, passe Mathilde, envoie-moi ton Insta, c'est réglé comme ça. Wow <laughs> wow non non, il a d'entre vous deux, c'est le tombeur de ces dames. <rire> <rire> aïe, aïe 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 Et Axinx il... à quel âge rappelle-le 18. Wow. wow. On a un petit garçon avec nous. Et vous avez 20 ans, bande de fils de pute, vous avez 2 ans de plus que lui. Les bah ouais. Il se en bah... mode 2 oh, ans, attends, 2 ans, attends, la maturité énorme. J'ai 21 ans quand même. Aïe, aïe, aïe. J'ai son snap 1. Hein. Hein aïe. Audrey du 76, t'as le snap de qui ah Vas-y, vas-y, Audrey, envoie, Audrey, envoie Audrey, t'as wow. 50 ans et 16 wow. enfants Arrête tes conneries, d'où t'es sur Snapchat déjà T'as pas le droit d'être sur Snapchat Quand t'as un siège bébé dans ta voiture T'as pas le droit d'être sur Snapchat Il y a, une il y a un truc là. Il, y a un, truc. Ah, il un dans truc. les conditions d'utilisateur C'est dans les CGU j'accepte personne sur snap Ah ouais, c'est pour ça, princesse Mathilde On vient de comprendre, ouais, d'accord Petite princesse du coup tu, si... tu vois, tu vois le pourquoi oui non Comment ça Comment Non, vas-y dis. Non, mais ah. parce que ça fait une petite princesse. Euh, moi, j'aime pas les gens qui sont un peu précieux, tu vois. Wow. Donc t'es pas galant du coup Si. Non, mais il y a pas, il y a pas à ne pas être galant parce que les gens sont pas précieux. Mais moi, c'est genre les, les personnes qui font. Euh... Euh... Ah Mathieu, bah Mathieu, ah, pas, va va ou pas Là, ah, Parce que, que moi qui les move. <rire> <rire> Mathilde! 5 oh, secondes, on m'a déjà Bah euh... Ouais, 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 ouais. Bah, je, je, je suis rapide moi! Non, ouais, mais il y, bah y a 500 personnes qui écoutent l'histoire d'un gosse! Non, mais moi je vais rien dire, j'ai rien à dire, juste. Mathilde, t'as tu sais, un, un match! je connais Oui, non. alors! <laughs> mais ça fait un an on se connaît, en un an il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie, dans la mienne, et c'est tout, on se connaît depuis un an, euh, et je l'apprécie, il est gentil, et voilà, c'est tout, pour parler. Il <laughs> y a pas ah, tu, vois, tu vois, je marque deux points! Pour ça mais je mais... viens dans ma MP Non mais toi oh. mais toi tu veux que j'aille en prison ou quoi T'as 16 ans Comment ça tu veux que j'aille en prison ou quoi T'es malade non, mais oh. Vous êtes trop mignon Vous êtes trop drôle Oh la friend Zone <laughs> Mais non y a pas de friendzone Attends attends Mathilde t'es célibataire <laughs> Oui Ok et t'as pas envie d'avoir un mec Oh <laughs> point <Pour> d'interrogation <laughs> Bah, la bonne réponse dit... c'est je sais pas. Non, mais y'a pas de je sais pas. a pas de je sais pas. pas J'ai pas. <laughs> pas envie d'un mec euh, qui pense comme les mecs de maintenant. Voilà. Ah, que... waouh, tu veux un <laughs> mec qui pense comme les mecs d'autrefois? Non, mais. Mais. Viens là! Ils... Ils ah, J'ai pas envie d'un mec qui pense comme qu un objet. <laughs> Quoi Attends. Non mais c'est juste la mentalité de maintenant, ça m'intéresse pas. Donc après. Euh, la mentalité de moment, maintenant. Mais là, tu viens définir la mentalité de il y a 50 ans. Donc du coup, elle a pas changé la mentalité de maintenant. Bah, justement, <rire> justement, <rire> justement. Oh là là, je suis en train. Désolée, je suis en train d'enterrer euh, <laughs> l'histoire là. Mais justement, wow. elle a changé Quelle la histoire. mentalité d'aujourd'hui. Ça enfin, n'a pas commencé. Elle ah, a changé la, la, Elle a changé la mentalité chez les garçons d'aujourd'hui, non mais non ouais, mais c'est vrai hein. c'est vrai c'est vrai, vrai mais plus ça va plus euh, le, le, la, non, la considération il bon, y, y, y avait plus de il y avait plus d'hommes qui considéraient les femmes comme, parce que c'est le terme que tu as utilisé comme des objets en 1950 que en 2023 non donc il y a bien une évolution dans le bon sens bah en vrai regarde Six tu fais ta non. propre cuisine tu fais ton linge tu fais ta propre cuisine, <laughs> tu fais ton linge. Foutre, oui. Que... Ah d'accord, je voilà. comprends maintenant. Mathilde, vas-y, Mathilde, vas-y, vas explique. Non mais... non mais, Attends, parce que vous avez déjà essayé. Je parle de de faire son linge. Il est fou celui-là, c'est <laughs> tout. Attends, moi ça m'intéresse, ça me fait marrer du coup. Elle veut juste pas un petit garçon, mais un homme qui respecte la femme et veut pas juste du cul, I guess. Mathou. Qui c'est qui a écrit ça Je sais pas, je le lis dans le chat. Tu sais beaucoup d'écrivains. Je sais Audrey, je sais, je sais. Elle a mis quoi Audrey Tu sais, tu es jeune, oui. tu auras beaucoup de crevards. <laughs> oh ça va ouais, oh, 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 oh. C'est dur aussi <laughs> pour nous là. Eh, eh, eh. c'est dur, ok. Sachez que c'est dur. Les hommes en 1950, ils se mariaient à 18 ans, pendant 50 ans, et la femme était à la cuisine. Mais maintenant, wow. ça divorce au moindre coup. Oh ouais, oh, eh, eh, eh. <laughs> ouais. Ok, c'est parti. Comment ça Comment ça? Oui, effectivement. Non, mais les mentalités ont changé. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas facile tous les jours pour les plus âgés. What? Oh my god. Il faut qu'on fasse. À 18 ans, je recherchais pas à la poser en vrai. À me poser en vrai. Ben ouais, normal. Enfin, normal, je sais pas. Après, euh, tout dépend de la mentalité et de la maturité. Et, et au final, si on la rentre le, de l'éducation, euh, du quotient émotionnel, il hein, y a des gens à 30 ans, ils se comportent comme des enfants de 20 ans. Et il y a des gens à 20 ans euh, qui sont des gens en mode, ils ont déjà ouvert deux entreprises et ils ont envie de se marier à 21. Et c'est OK au final, tu vois. Donc, ça, déjà, euh, voilà. En revanche, qu'il y ait plus d'indécision aujourd'hui, ça, c'est possible. Je cherche un homme qui a la mentalité de l'époque. Maintenant, c'est dur. Mais non, mais vous... quoi? Mais justement, mais tu... mais la mentalité de maintenant... Justement, Matou, c'est ça que je ne comprends pas. Ma chère Mathilde, mais... la mentalité de maintenant, mais... des personnes qui ont 20 ans sont plus dans la considération euh, des femmes comme étant un égal plutôt que à ma, ma génération, non. par exemple. Oui, OK. Bon, ben bah voilà. Donc, c'est bah, bien qu'il y ait une évolution okay. dans le bon sens. Mais pas vraiment, pas vraiment, parce que ouais, les relations de maintenant, c'est c'est pas, pas fou tu vois euh, avant tu te disais je me mets avec quelqu'un euh, tu te disais bah je vais tout faire pour que ça dure dans le temps maintenant c'est euh, tu vois il y a des couples ils durent même pas deux jours genre au bout de deux jours il n'y a plus personne et moi je cherche pas ça moi je cherche quelque chose qui dure dans le temps le plus longtemps possible tu vois ah ok d'accord mais toi tu as envie du one shot t as envie de the one là t as envie <laughs> d'une grande histoire non. longue histoire <laughs> un truc long un truc qui a du sens bah ouais ça, ça rien après, ok hein. c'est simple et meilleur endroit pour trouver le couple et la personne qui, avec qui tu vas avancer dans la vie etc c'est en faisant ah. les trucs qui te font kiffer toi personnellement genre vraiment si tu fais les trucs qui te font kiffer toi personnellement et tu vas rencontrer dans le truc qui te fait kiffer toi personnellement comme par hasard la personne avec qui ça match D'accord, tu vas tous les week-ends, tu vas faire du cheval, etc. T'inquiète, tu vas trouver la personne avec qui ça va matcher, avec qui tu vas te dire putain la vache c'est cool et tout, on discute, machin, truc, bidule, franchement. Et ça évoluera dans une logique un peu. D'abord on était potes et puis ensuite euh, voilà quoi. Et là ce sera euh, sur le long terme quoi. C'est tout. Être aimé et respecté. Oui, tout simplement. Mais ça veut ça ça Mais veut rien coup, dire. C'est pas voir. parce que c'est pas parce que un truc est sur le court terme. Euh, que euh, il, peut y avoir, il peut y avoir des histoires d'amour avec beaucoup de respect qui durent une semaine. Clairement. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai. Donc, il faut arrêter de, 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 de toujours se dire que euh, aimer et respecter égale les histoires de Disney. C'est pas et ils vécurent <laughs> l'heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça veut rien dire, ça. Voilà. Ouais. Enfin, mais, mais moi, j'ai un truc à dire, rebondir sur ce que tu dit. Si, du coup, pour toi, il faut faire Enfin, que, si quelque chose me passionne. Genre, en gros, faut que le mec que j'apprécie fasse la même chose que moi. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'en partie, ça marche pour Tismac vu qu'il fait exactement la même chose C'est bon, j'arrête là. Après, on va. Ça va encore en parler 100 ans. La perche, elle est énorme. La perche, Tismac. Tismac, t'attends quoi Non, il y a. allez Ouais, mais après, déjà, un, les goûts que t'as maintenant ne sont pas forcément les goûts que t'auras dans 3 ans quand tu. Enfin, bon, voilà quoi. Quand il y a. Ben, on, on change quand même beaucoup entre 18 et 23, quoi, je trouve, quoi. Après, je sais pas, Toi, mais. Tu veux pas que tes staffs soient en couple. Tu veux pas le perdre. Hein Non, non, vraiment. Non, bon, mais... que... euh, la... enfin, non, 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 le... Je veux oh. pas le T'es en retard, Bibi. Qui ça Moi, j'aime les tortues. Ok, ça marche, les gars. Non, mais après. Non, par contre, vraiment, genre, un truc qui est pas déconnant, c'est que. Tu vois, Six, dans ce que tu dis, l'aspect passion et tout, c'est qu'au moins, la personne avec qui tu, tu sors comprends la chose. Parce que si tu sors avec une personne qui n'a pas du tout les mêmes passions que toi, prenons l'exemple là. Moi je suis à la SA, ça me prend quand même beaucoup de temps, même énormément de temps. Oh. Et derrière, bah si as une personne qui est complètement externe à ça, va lui expliquer, va lui faire comprendre que, ben...